Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Nous allons, dans cet épisode, reprendre notre aventure sur le jeu. Et pour ce faire, nous allons d'abord aller... Ah, attendez, est-ce que je vais d'abord à celui-ci? Est-ce que je vais d'abord à l'autre? Là, on est en train de se le cailler les miches. Ce qui fait que ça fait plaisir à personne, évidemment. Comment je m'anticaille là? Je m'anticaille pas. Hein. Attendez. J'ai pas un... J'ai ça et j'ai ça, ok. Et... Qu'est-ce que je peux mettre comme casque? Celui-ci. Allez, c'est parfait. On va prendre la paravoile. Faudrait Babi, hein. Là, on est en bordure de map. La zone ici, il y a des choses. Mais concrètement, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a des vieilles montagnes, mais on ne sait pas où ça va. Hein. C'est grand, la terre d'Hyrule, c'est juste ça. Ce qui est déjà quand même immense. On est bien d'accord. Mais il y a tout le reste de la planète. Et on ne l'explorera jamais. Puisque ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas une suite. Le prochain Zelda. À mon grand désarroi, évidemment. Après, ça restera forcément un jeu du même genre, je pense. Avec peut-être d'autres possibilités, mais... On n'aura pas le même Link que j'adore. Je suis un peu déçu pour ça. Mais bon, on en aura un autre. On aura un autre qui sera peut-être encore mieux. Est-ce possible? Je ne sais pas. Salut, c'est cadeau. C'est cadeau parce que ça sert à rien. Hop. On va aller faire le sanctuaire, haha, de Otutuma. Tintintintin. Tintintintin. Quoi? Bénédiction de Rauru, c'est juste une bénédiction? Mais il n'y a rien ici. C'est une blague? Pourquoi c'est une bénédiction? Là, il n'y a absolument rien. Qui justifie que ce soit une bénédiction, ça. D'accord. Ok, c'est vraiment... ils ont mis des sanctuaires pour qu'il y en ait... Je sais pas combien. C'est un peu dommage, ça. Hein. Et en plus, je crois que ça ne remplit même pas toutes les barres de cœur. Donc, vraiment... ils auraient pu en rajouter 8, hein. À ce niveau-là. Franchement. Après, je comprends qu'ils en laissent pour que les effets de potion qui donnent des cœurs jaunes servent. Mais ils auraient pu faire comme pour la barre d'endurance, une barre de cœur en plus, quoi. En tout cas, des slots de cœurs spéciaux, spécialement prévus pour les petits cœurs jaunes. Parce que bah, c'est un peu... C'est un peu dommage, quoi. Bref. Il n'y aura même pas de DLC pour contrer tout ça. C'est pas grave. Alors, la huitième héroïne. Bonjour. Ok, toi, tu as complètement perdu ta tête. Ah, mais c'est pour justifier le fait qu'il y ait quelque chose derrière. Ah, ah, en vrai, bien joué. En vrai, pas mal. Alors, on n'a pas besoin de lancer ça. On va juste faire un petit flash. Ah, ça ne suffit pas. Ah. Alors, si ça ne suffit pas, on va sortir un phare de notre arsenal Sonao. Ça va être pour une fois que ça va servir. Tchac. Un projecteur. Ah.
Ça va se casser la gueule, là, on est bien d'accord. Pas assez. On fait un deuxième. On fait un troisième. Bon, je vais en sortir 4. Merci. Hop. Ça suffit toujours pas? Ouais, t'es déconné là. Et non, il en faut plus que ça. Ok, bah écoutez, on va mettre plus que ça. Hein. J'ai perdu un. Ils fonctionnent encore. Ouais, mais je crois qu'ils font de l'ombre. On va faire un projecteur de malade. Le Giga Projo. Ça veut pas. On n'est pas au cinéma. Hein. Pas besoin d'autant de projo là. C'est quoi le délire? Ça marche pas autant de lumière là? C'est vraiment de la merde, hein. Bon, écoutez. On va sortir notre ami le pieu. On va même faire un truc. Attendez, vous êtes pas prêts. Ok. Voilà, hop. Merci. On va faire un truc comme ça. Et je sais pas si ça vaut le coup de le condenser. Ah merde. Ah, bien joué le... bien joué. Ça c'était nul. C'était très nul. Ah! Tu te casses pas la gueule toi. Enfin. Comment ça se fait que ça ne marche pas? C'est horrible un peu, non? Est-ce qu'il faut mettre un miroir en plus? Peut-être juste mettre ça en plus. Non, ça fait rien. On va dans l'autre sens. Je sais pas, moi. Ça ne marche même pas.
Ça ne marche pas, hein. Ça ne sert à rien. Mais ils fonctionnent les trucs là au moins. D'accord qu'il sert à rien ce miroir. Il dégage, hein. Ok, bah écoutez. On va s'éloigner un peu. On va faire ça. On va dire qu'on fait ça. Ça va me coûter 27 sonau. 27 sonium plutôt. Non, ok. Te casse pas la gueule. J'en rajoute. Et ça ne suffit pas. Ok, alors il y a quand même un gros problème. C'est de la foudre alors qu'il faut. Ah mais je sais ce qu'il faut. Mais non mais je sais ce qu'il faut. Ça y est, je suis teubé. Ça ne sert à rien. Il faut l'autre grognasse. Bah oui. Ah bah tu t'es cassé la gueule. Bien joué Ridjou. Elle s'est cassée la gueule, la con. Oh non. Non mais Ridjou, t'as pas le droit de faire ça. Elle s'est cassée la gueule. Mais OMG Ridjou. Ah non, c'est pas ça. Attendez quoi? C'est pas ça. Il faut pas la foudre de Ridjou. Mais. Pardon? Mais pourquoi tu marches? Ok, bon, écoutez, je veux pas savoir. Pourquoi tu t'es cassé la gueule? On va remonter nos flashs. Voilà. Voilà, voilà. Et Ridjou, ça, tu veux pas. Ça, c'est non, ça. Mais Ridjou, t'as un problème, Ridjou? Non, ça ne marche pas. Ok, d'accord, ça ne marche pas. C'est vraiment que la lumière. C'est même pas l'autre grognasse. Mais du coup, qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé faire un truc comme ça? Ah ouais, d'accord, je suis censé faire un truc comme ça. Je suis censé envoyer plein de flashs à la fois. Ok, d'accord, plusieurs fois. Parce que ça ne charge pas assez vite. Très bien, alors du coup... Je casse la gueule, moi aussi je vais m'y mettre. Si, c'est bon. Ok, alors attendez. Comment je suis censé faire autant de flash d'un coup? Oh, ça ne marche pas. Même ça, ça ne marche pas. Ok. Alors ça ne marche pas. Du coup, comment ça marche? Est-ce que je suis juste censé faire... un bouclier avec un phare. Je sais pas. Et merde. Ça ne sert à rien, on est d'accord. Cette espèce de merde là, ça sert à que dalle. Est-ce que cette bouse, ça sera mieux? Non, hein. C'est clairement de la caille. Hein. On va défaire l'amalgame très vite. Alors comment je fais de la lumière efficacement? Ah mais je suis un blaireau, est-ce que je fais... Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas la... Ok, on va envoyer un milliard de ça.
ça marche pas ça. Ah, ça veut plus. Ça veut pas plus? Je peux pas en mettre plus? Pourquoi ça se casse? C'est trop éclairé? Bon, c'est définitivement avec des fruits de clarté. Hein. Le flash, il fonctionne. Alors maintenant, il faut que j'arrive à envoyer un milliard de fruits de clarté. Mais c'est hallucinant. Avec ça, peut-être. Bon, ça ne sert à rien. Ça ne fait rien, donc merci. Non, ça ne fait rien. Ah merde, alors. Qu'est-ce qu'elle me dit, l'énigme, là? Baigne cette dernière de lumière, et la porte vers le trésor s'ouvrira. Ouais, bah j'ai essayé hein, de baigner, mais ça ne marche pas. Même avec cette merde là de truc. Pendant longtemps. Après, il faut peut-être trouver une source de lumière. Ah, bah voilà, il y a un... Parce que là, je suis à l'ombre, il suffit que je prenne la lumière du soleil. Avec le miroir, et ça sera suffisamment intense. Ceci est un coffre. Ce n'est pas un miroir. Ouais, bon, ok, d'accord. Alors ça, c'est un miroir. Il va se mettre à pleuvoir, vous allez voir. Ouh, je le sens gros comme une maison. Ah, c'est ça, il faut juste que j'ai un rayon du soleil. Ouah, c'est de la merde. Il faut juste un rayon du soleil. Oh non, oh, mais je suis teubé, hein. Les phares sonaux ne servent vraiment à rien. Mais alors, à que dalle. À un point, c'est grave. Hein. À un point, c'est très grave. Tout, tout, tout. Yaha, tu m'as trouvé. À la revoyure. Non, c'est grave. Hein. C'est grave d'être aussi inutile que ça. Je pense que c'est le pire artefact de l'univers, quoi. Il sert à rien. Vous voyez, le miroir, il sert à quelque chose, finalement. Putain, 17 minutes sur ça. Oh, merde. Dégage-toi. Oula, il y en a combien? Pourquoi y a-t-il des Gibdos ici? Oula merde, j'ai mon du bestial, ça va pas du tout ça. Bon, on va pas prendre notre du bestial. En vrai, par contre, c'est infecté, hein. Voilà. 32, ah, ils sont résistants quand même. Bon, ça va. Et merde. Hop. Ok, parfait. Il y a donc des Gibdos ici. Intéressant. Ça me donne envie de regarder ce qu'il y a sous le sable là. Par des Gibdos. Un rubis. Pas mal. Merde. Quel ventilo, il vole. Tu la lâches, elle s'envole. Alors, il y a quoi, là? Ah, là, il y a un Elusis. Ok. Là, il y a le coffre. Là, il n'y a rien, ok. Alors, le dernier coffre de Tingle.
La cagoule de Tingle, cette cagoule était portée avec amour par un homme convaincu d'être l'absolue réincarnation d'une fée. Il s'agit d'un article difficile à se procurer. Ok, est-ce qu'il faut que je retourne voir les deux zigotos là? Merde. Les deux zigotos. Paf. Et peut-être ils me donneront encore une quête de lambda. Je sais pas. Et une ambre. Ça n'a même pas pété ça. Très bien. Alors, notre tenue de Tingle, tiens. Allez la tester, comme on est horrible dedans. Elle est laide, cette tenue. On a augmenté la vitesse de nuit. Elle était comme ça dans Breath of the Wild? Journal d'aventure. On va retourner voir les deux zigotos, là. C'était où? Mais ils y sont peut-être plus, hein, cela dit. Ils sont peut-être ailleurs. Ils étaient pas loin de là, je crois. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'ils étaient? Forteresse. Il y avait une montagne. Ils étaient où ces blaireaux? La merde alors. Je les retrouve plus. Bah je ne sais plus, tiens. Par là? Non, il n'était pas par là. Hein. On n'est pas allé là non plus. Je sais plus où ils étaient. C'est pas là? Non, ça c'est le machin. Ils étaient pas loin de où? Ah, ils étaient peut-être pas loin de là. Pas une montagne, le lac, non. Bah attendez, bah, je sais plus où ils étaient. Il y avait une grotte pas loin. Bah écoutez, je ne sais plus. Et je ne sais plus. Bah c'est pas bien grave de toute façon. De toute façon, je dois pouvoir. Trésor de lambda. Grotte du lac Ofreud. Grotte du lac Ofreud. C'est où le Ofreud? Ah oui, si, c'était bien là. Ok, ils étaient bien là. C'était bien ça. C'était bien cet endroit. Ben, on va les voir quand même. Avec... Oula. La map a bugué, non? Ah non, c'est peut-être parce que j'étais en montagne. Ça me paraissait bien blanc, c'était bizarre. Étrange. Est-ce qu'ils sont là? Je leur montre ma tenue Tingle et ils seront contents. Au contraire, ils en auront strictement rien à faire. Non, ils sont toujours là. Hein. On enchaîne alors. Frangin, le revoilà. Ouais, si, c'est bon. J'ai bien fait d'aller les voir, du coup. Eh bien quoi, je t'ai déjà lu toutes les énigmes. J'ai trouvé un trésor. Regarde. Non, tu plaisantes? T'es sérieux, j'arrive pas à croire que quelqu'un l'ait trouvé avant nous. Est-ce que par hasard, ce serait le vêtement que renfermait le trésor? La classe, je t'envie. C'est frustrant, mais tant pis, et puis il y en a d'autres des trésors. Le prochain trésor, c'est nous qui le trouverons. Où est-ce qu'on va chercher des trésors maintenant, frangin? Une minute, je réfléchis. Ah non, pas toi, on te donnera plus aucune information, c'est fini. Mais je vous reparle. Où est-ce qu'on va chercher des trésors maintenant, frangin? Une minute, je réfléchis. Non, pas toi, on n'entendra plus aucune information, c'est fini. Donc leur quête n'est pas finie. Hein. Ok, donc leur quête n'est pas finie. Est-ce que je me mets comme ça pour les faire peur? On enchaîne. Ah, je peux peut-être me déguiser. Si je me mets en Yiga, vous pensez qu'ils me reconnaissent? A priori, ils sont pas censés me voir. Une minute, je réfléchis. Ah, il nous reconnaît.
C'est honteux. Bon, bah, du coup. Du coup, c'est pas ça là. C'est pas là la suite. On trouvera la suite une autre fois. Je suppose. Tunique du prélude. Coiffe du prélude. Tunique des Landes. Ah, mais non, mais le. Le prélude, c'est le premier. C'est le Link 8 bits. C'est pas le Link de Breath of the Wild. C'est celle-là, la tenue de Breath of the Wild, ok. Qui du coup est la même, hein, vous l'aurez évidemment deviné, pour Tears of the Kingdom, même si celle-là, la réelle tenue officielle, bref. Après j'aime bien celle-là, moi aussi, elle est stylée. Alors, barrons-nous. N'a pas besoin de leur parler à eux. Hop. C'est bon, vous avez trouvé? On enchaîne, mais évidemment qu'on enchaîne. Si je rallume le feu, que je dors, jusqu'à midi, est-ce qu'ils seront partis? Est-ce qu'ils seront encore bloqués sur le même dialogue? On enchaîne. Non, ils sont évidemment. Ok, ils sont également plus là. Je pense qu'il va falloir qu'on les retrouve ailleurs. Mais en tout cas, pas ici. Alors. À moins qu'il n'y ait plus de trésor de lambda du tout, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Là, il y a un puits. Je ne crois pas l'avoir fait, ce puits. Relais du puits de la montagne. Non, relais du pied de la montagne. Je ne crois pas avoir fait le puits. Du pied de la montagne. Ah bah il faut croire que si. Il faut croire que si. Ok. Hop. Ta-ta-da. J'aurais pas un korogu là-haut, par hasard. Ce serait pas la première fois, hein. Est-ce qu'il y en a à tous les relais? Non. Il n'y en a pas à tous les relais. Ok. Elle est venue me parler. Tu parles de qui? Oh, c'est toi l'ami. Merci pour ton aide. C'est quand même mieux d'être habillé. Ah oui, vous êtes les fameux qui étaient à poil. C'est sûrement sans rapport, mais la fille du relais est enfin venue me parler. On a une discussion passionnée au sujet des chiens. Ah bah si c'était à poil, elle est pas venue te parler, hein, c'est sûr. Il n'y avait pas beaucoup de filles de mon âge au village des Carailles, alors je suis content d'avoir fait sa connaissance. La fille du relais m'a dit qu'elle aimait les chiens, alors du coup je me renseigne sur les chiens. Les chiens sont très forts pour dénicher des trésors, mais ils ne leur feront que si tu as su gagner leur confiance. Comment gagner leur confiance, tu dis? Eh bien c'est facile, avec beaucoup d'affection. Quand je rentrerai au village des Carailles, peut-être que je prendrai un chien. C'est de là que je viens, c'est loin au sud-est d'ici. Un petit village de pêcheurs sur la côte, mais je connais le village des Carailles évidemment. J'ai aidé à le retaper. Moi je sais pas nager, alors j'ai laissé tomber la pêche pour devenir membre du groupe d'archéologie Nsonao. Mais récemment j'ai appris que des pirates s'en étaient pris au village, alors je ferais peut-être mieux d'y retourner. Les pirates ont déguerpi. Ouais, c'est vrai, génial, je me faisais tellement de soucis. Ok. Ça avait l'air de te poser effectivement beaucoup de problèmes puisque tu ne bougeais pas ton cul pour y aller. Alors. Enfin habillé. Eh mais c'est toi le voyageur, c'est grâce à toi que je peux à nouveau porter des vêtements. J'ai entendu dire que plein de ruines étaient tombées sur le village de Zéro à l'est d'ici. Je meurs d'envie d'y aller et de me plonger dans mes recherches. Bah alors mecton, ça fait un bail pas vrai depuis que tu nous as sauvé la mise au canyon de Gerudo, je crois bien. Ah bah oui, c'est bien toi. Avec les potes, on a bourlingué encore un moment après ça et puis on a taillé la route chacun de notre côté. J'ai continué un peu en solo mais ça m'a plus filé le cafard qu'autre chose et c'est là que je suis tombé sur sa musicos. Et bam, voilà que tu te pointes, t'imagines un peu la lune? J'imagine un peu la lui, ouais. Bonjour, bonjour, monsieur le voyageur. Oh, mais Alban, c'est toi qui nous avais donné dans Breath of the Wild les potions de résistance au feu. Donc, comment ça se fait que tu ne te souviennes pas de nous? On est Link quand même. Un groupe du Luberluant en slip avait posé ses bagages au relais du pied de la montagne ces derniers temps. Aucune idée de ce qu'ils voulaient, mais ils ont fini par déguerpir. On dirait que quelqu'un s'est chargé de leur toucher un mot ou deux sur leur accoutrement, et je l'en remercie. En tout cas, je peux m'occuper des toutous en toute quiétude. Désormais, quel soulagement.
Avec plaisir, la première chose à savoir, c'est qu'ils sont absolument adorables. Mais ce n'est pas tout, ils possèdent aussi un talent unique. Leur odorat exceptionnel leur permet d'énicher des trésors. Mais ils ne font pas ça pour n'importe qui, attention, ils marchent à l'affect, ces braves toutous. Si tu prends le temps d'approvisionner un chien en lui donnant de la nourriture qui lui plaît, tu pourrais qu'il t'aide à trouver des trésors en retour. Nous sommes au courant. Ok, ok. Bon. Et au final, ces panneaux ne servent à rien non plus, hein. Ça, c'est un peu dommage. Il aurait pu avoir une quête avec ces panneaux. Il y a pas mal de choses où finalement on se dit ah ils auraient pu en faire un peu plus. Alors le jeu est grave cool, il y a énormément de choses dedans. Mais chaque petit truc, on se dit ça aurait été pas mal d'aller un peu plus loin. Après c'est parce qu'on en demande toujours trop, hein. On demande toujours plus. Mais c'est un sentiment qui s'en dégage un peu quand même. C'est assez dommage, finalement. Hop, on va se faire les deux bleus. J'ai pas eu en étape, moi. C'est honteux. C'est honteux. Ok, bah voilà. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode de Tears of the Kingdom. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour la suite, puisque j'aurai un peu moins de temps là, c'est début janvier de tournage, puisque je j'ai pas tout à fait la possibilité de tourner comme avant. Le planning va s'en retrouver changé. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser pour optimiser les vidéos, le montage, le temps de rendu et tout ça. Donc je sais, il va falloir que je voilà, mette un petit peu de temps pour trouver le rythme. Puisque le rythme a changé. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.